Les fans de football diront qu'une demi-finale de Coupe d'Europe, ça ne se rate pas. Le prince William a-t-il appliqué ce principe un peu trop à la lettre? Le soir de l'anniversaire de sa fille Charlotte, il a été aperçu dans les tribunes de Villa Park. Malgré tout, l'heure est à la fête. Évidemment, on ne doit pas sourire tous les jours, dans la famille royale, ces derniers temps. Deux cancers sont venus assombrir les dernières semaines, obligeant le roi Charles III et Kate Middleton à s'éloigner des projecteurs. Mais la vie continue, et Kate et William avaient quand même de beaux événements à fêter. D'abord, il y a eu l'anniversaire du prince Louis, à la fin du mois d'avril. Comme la tradition le veut, les fans de la famille royale ont eu droit à une photo inédite du jeune prince, mais avec un peu de retard. Et ce jeudi 2 mai, c'était au tour de la princesse Charlotte de souffler sa 9e bougie. Là encore, la traditionnelle photo est arrivée avec 24 heures de retard. Joyeux 9e anniversaire princesse Charlotte, est-il écrit en légende du cliché pris également par la princesse de Galles. Dans les commentaires, nombreux étaient les internautes à voir la forte ressemblance entre Charlotte et son père. William a dit copier-coller, pouvait-on par exemple lire. William aperçu au stade pour un match de foot. Si le prince William a très certainement souhaité plein de bonheur à sa fille pour ce jour spécial, on sait qu'il n'était pas présent le soir même pour la regarder souffler ses bougies. Ce jeudi 2 mai, William a été aperçu dans les tribunes d'Aston Villa. Le club basé à Birmingham jouait une demi-finale de Coupe d'Europe, plus précisément d'Europa Conference League, contre le club grec de l'Olympiakos. Peut-être a-t-il regretté le déplacement, les Villans ont souffert, pour finalement s'incliner 4-2 face à l'ancien club du français Mathieu Valbuena. Le prince William est un assidu des tribunes du Villa Park. Le mois dernier, il s'était rendu au match opposant Aston Villa et Lille. C'était alors sa première sortie publique depuis l'annonce du cancer de Kate Middleton. Si ce soir-là, il était accompagné de son fils George, William était ce jeudi 2 mai le seul membre de la famille royale présent au stade. La soirée a dû être bien meilleure, à Adelaide Cottage.